Aujourd'hui, c'est l'action flash mob, la marche de l'amour. Et ça consiste en la lecture de ce magnifique texte. Donc, c'est un texte assez long. De ce que j'ai cru comprendre, au signal de gendarme, on va se déplacer à l'intérieur. Puis je pense qu'on va se répartir dans le métro à plusieurs locations en même temps. On va commencer à lire le texte. J'ai hâte de voir ça. Le scénario est le suivant. On va descendre. Ceux qui ne veulent pas pénétrer à l'intérieur des guichets, vous allez rester à l'extérieur des guichets. Ceux qui veulent, on va rentrer. Je vais me mettre au centre de la place et je vais commencer la lecture. Tous ceux qui rentrent avec moi et tous ceux qui sont à l'extérieur vont embarquer après deux lignes. Et là, on se disperse. Ceux qui sont à l'intérieur du métro descendent sur les quais en lisant tout le temps. Ceux qui sont à l'extérieur des guichets se promènent, font des allers-retours en lisant tous. À la fin, vers la fin du texte, on remonte, on se rejoint près de la place centrale. Pas à l'intérieur, près de la place centrale. Et on va être tout croche, on va être déphasé, et on va reprendre ensemble la dernière strophe du poème. C'est important à la fin qu'on dise tous le nom du poète. On signe le texte, Gaston Miron. Ça lui appartient, il faut lui rendre hommage. Aussi, l'esprit d'un flash mob, c'est qu'une fois que c'est terminé, on se disperse. On se félicite pas, on s'en va. On rempoche nos papiers, et chacun notre bar. Prenez votre temps pour la lecture. Disez les phrases. Ayez la poésie au cœur. N'ayez pas peur de parler haut et fort. On est là pour ça. Merci beaucoup, beaucoup d'être là. Je suis content. Nous aussi. Qui vont décider qu'ils veulent tout voir ici, vont faire attention qu'on va. Même si on fait juste lire, on n'est pas sans lire, puis on se dit, si on marche, on se promène. Ah ouais? Et ensuite? Bonsoir! Au moindre premier mot, on aurait été expulsé. Alors on va rester à l'extérieur des guichets, on va circuler et on va commencer maintenant. Tu as les yeux pères des champs de rosée. Tu as les yeux talentueux et la lumière. Il y a la douceur au fond des rives au mois de mai. Dans les accompagnements de l'aliment riche. Avec cette chaleur oiseau à ton corps précise. Moi qui suis charmant et beaucoup de la paroche. Moi, au fond de sa vie, sa révolue et l'entrée de l'avenir. La tête en bas, comme un bison dans son destin. La blancheur des nénuphars s'élève jusqu'à ton cou. La conjuration de l'humanité, moi qui ai les yeux au ciel et mer s'incluant. Avec cette tache errante de chevreuil que tu as, tu viendras tout ensoleiller l'existence. Le corps. À bout de misère et à bout de démesure. Je veux te faire aimer la vie, notre vie, t'aimer fou de racines, à feuilles et grave, de jour en jour, à travers les nuits d'été. De moi l'ombre vertu silencieuse, je finirai bien par te rencontrer quelque part, mon Dieu. Et contre tout, je me rends absent et douloureux. Par le reste, j'affirme, ô mon amour, que tu existes. Je corrige notre vie. Nous n'irons plus mourir de langueur à des milles de distance dans nos rêves, nos masques, des filets de sang dans la soif. Des épaules, des épaules.
feu de mes soifs. Coule-moi dans tes mains de ciel. Et d'inanité de petits accompagnés, les deux mains dans les fluides.
m'appelle Anne. J'ai participé au flash mob La Marche à l'amour, par amour de la poésie, par amour des mots de Miron. Gaston Miron, c'est un de ses plus beaux poèmes, mais c'est le plus long poème. Un poème d'amour, mais c'est un poème de déchirure aussi. Un poème très, très fort. J'ai participé à La Marche à l'amour aussi, par amour de Miron. Miron qui m'a beaucoup inspirée dans la vie militante que je mène présentement. Et c'est un poème qui a des résonances extraordinaires, d'une beauté incroyable et qui peut nous unir. Et en fait, je voulais dire aussi que je suis là aussi avec le chapeau du 99 des Indignés, parce que notre mouvement carbure à l'amour aussi avant tout. Je voudrais dire juste un vers de Miron. Les deux mains dans les furies, dans les féries, aux mains, aux poings, comme des cogneurs de folle tendresse. La Marche à l'amour de Gaston Miron est un grand poème qui a travaillé toute sa vie. Il l'a retravaillé toute sa vie. C'est très difficile à réduire la portée d'un poème à son sens. Mais c'est certainement un poème d'amour. Gaston Miron est un amoureux né. C'est un homme qui a connu des hauts et des bas en amour, mais qui était vraiment un amoureux. Et c'est à la fois l'amour d'une autre, l'amour d'une femme, mais c'est aussi, jusqu'à un certain point, l'amour du pays. L'amour du Québec, l'amour d'un pays qui se dérobe sans cesse. En gros, c'est ça, mais évidemment, chaque vers contient par sa densité beaucoup plus. C'est un poème qui est très ancré dans la tradition québécoise, avec la nature qui est là, très présente, alors qu'elle est en ville. Mais c'est aussi avec un vocabulaire un peu ancien, des mots comme fardoche, c'est des mots qu'on n'utilise presque plus. Gaston Miron était très proche de tout ça. C'était l'homme qui était entre deux civilisations, le Québec rural et le Québec urbain. L'idée du flash mob est venue bien simplement parce que je regardais des flash mobs sur YouTube et je trouve ça formidable, cette idée-là de faire des événements gratuits, complètement inutiles, mais qui font de la beauté. La beauté semble inutile, mais ça fait sourire, ça donne de la densité au jour. Et j'ai lancé ça par hasard sur Facebook. Si on faisait un flash mob, et il y a eu beaucoup de réponses, alors je l'ai organisé. C'est un peu par hasard que c'est tombé le 14 février. Ça tombait bien par rapport au moment où j'ai eu l'idée de le faire et le temps que ça prenait pour le faire. Ça tombait aujourd'hui, pourquoi pas. La Saint-Valentin, je me disais que c'était mieux de lire un poème d'amour d'un grand poète québécois que d'aller dépenser des fortunes en chocolat. Pourquoi pas aujourd'hui? Et pourquoi pas tous les jours d'ailleurs? Mais je pense qu'on va refaire quelque chose dans le genre. Un jour, bientôt. L'énergie de faire un flash mob comme ça vient certainement pour moi du mouvement des Indignés. L'automne passé, je me suis intéressé beaucoup à la chose, puis je l'ai soutenu, occupant Montréal. Et l'idée, c'est que moi, je ne suis pas un politicien, je ne veux pas être un politicien. Mais je pense que les artistes ont aussi quelque chose à faire qui est de l'ordre du social. Et du politique, avec le grand P. Et un événement comme celui-là est un petit truc rassembleur autour d'une parole, autour de la beauté. Et dire que la beauté d'un poème a sa place dans la vie quotidienne, c'est un geste très politique. C'est un geste qui dit que l'économie n'est pas tout, que la culture compte aussi, que la beauté compte, que l'épanouissement compte, que le cœur humain compte plus que le portefeuille. Comme je suis un petit personnage public avec une petite notoriété, quand j'ai mis ça sur Facebook, cette idée d'un flash mob, je me suis fait contacter par les gens de la STM, la Société de transport de Montréal, qui m'ont dit « il faudrait qu'on se rencontre parce que… » Et je suis venu les rencontrer ici même au métro Berry-UQAM. J'ai fait le tour avec eux, puis ils m'ont dit « voilà, il ne faut pas bloquer l'accès, là, 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 là. » Puis bon, c'était convenu que j'allais leur proposer un scénario qui ne bloquerait pas d'accès, qui n'allait pas déranger rien. Je leur ai envoyé deux scénarios, un scénario si on était peu nombreux, un scénario si on était plus nombreux. J'ai pas eu de nouvelles, mais j'en ai eu en arrivant en bas dans le métro, parce qu'il y avait de la police en quantité. Et je leur ai demandé, vous savez, on fait un petit événement politique. Ils ont dit, oui, on le sait, on est là pour vous expulser. Donc, semble-t-il que ça s'est discuté à la STM, cette idée de flash mob, puis ont dit non, il n'y en est pas question. Et plutôt que de me le dire, de me téléphoner ou de m'écrire, ils ont préféré faire venir les policiers. C'est super.